Gus. Ouais. La politique. C'est une haute mission, c'est diriger un état, une société. Une société comme la société des chaussettes? Vois plus grand, mon pote. La société des patrons? Et pourquoi pas? Oh, ça me plairait bien de diriger la société des patrons. Marre d'être manipulé. Marre d'être manipulé. C'est ça, Gus, c'est exactement ça. Tu vois, tu commences à avoir la fibre politique. Allez, quel est ton objectif? Tu penses politique? Je vais être connu! Oui, mais encore. Que les filles soient nues! Que tu jettes sur moi! Gus, que ma nuque me tue! Arrête ça tout de suite, arrête! Bon, bref, tu veux sortir du panier à linge? Oui! Être unique devant la masse odorante? Oui! Alors, j'ai fait des petites recherches pour que tu sois inspiré et d'abord, y a pas photo, il faut y croire. J'y crois, dur comme fibre de fer! Parfait! Alors, je t'ai fait un récap des plus grands influenceurs politiques de l'histoire. Oui. Et selon le très prestigieux MIT, là, eh ben, on est dans du gratte. C'est quoi MIT? Le Massachusetts Institute of Technology. Et arrête de m'interrompre. Ouais. Alors, on a Napoléon, Corse et empereur. Ouais. Hitler, autrichien et dictateur. Pas mal. César, romain et empereur. Belle allure. Akhenaton, égyptien et pharaon. Trop plein. Attila, mongol et barbare. Oh, le beau cheval. Oui, il s'appelle Balameur. On a Caligula, sanguinaire et empereur. Bon goût. Bon, il y a aussi Louis Croix-Bâton V, roi soleil. Joli, la tignasse. Alors, ça t'inspire? Bon, ils ont pas l'air très rigolos, tout cela, mais on peut peut-être les rencontrer pour voir. Bah non, parce que ils sont tous morts. Bon alors, tu veux du rigolo? Oui! Alors, qu'est-ce qu'on a? Y a Coluche, français et humoriste. Oh, il a une bonne tête celui-là, on peut aller le voir? Ah non, Gus, il est aussi mort. Oh, pas de bol! Ah, j'ai compris. Toi, en fait, tu veux du rigolo vivant? Oui! Pas facile. Alors, y avait bien Bigard. Il a pas des rigolos? Bah, tu sais, les goûts et les couleurs. Et sinon, dans un autre style, on a Hugo Frey, chanteur-navigateur. Tiens bon, là-bas, tiens bon, ouais, c'est ça. On a aussi Cantona, footballeur et comédien. Droit dans la petite lucarne. Sylvain Durif, Christo Cosmique. Skippy le kangourou. Super Châtaigne, le candidat masqué. Oh, cette période sanitaire, c'est futé. Bon, Gus, tu vas tout commenter. Bon, et sinon, en plus découvert, t'avais la Cicciolina, députée italienne. Mais ils voulaient tous être présidents? Presque. Alors, tu vois... Dans ces conditions, une chaussette peut bien faire de la politique, c'est carrément crédible. Alors, ça t'inspire? Oui, moi je veux être Cicciolina. Bon, c'est pas gagné.